Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog lecture spécial Love Theoretically, le tout dernier Hayley Hazelwood qui est sorti au mois de juin. Cet hiver, j'ai commencé Love on the Brain et j'ai eu une révélation. Je l'ai dévoré, je l'ai adoré et j'ai décidé de m'acheter la copie physique et de la noter en plein milieu de lecture parce que j'étais comme oh mon dieu, je suis trop à fond. Donc pour Love Theoretically, j'ai pris les devants et je vais la noter dès le début. Comme vous voyez, j'ai déjà lu quelques pages et donc il y a quelques post-it. Donc ce sera aussi un vlog annotation. Dans ce livre, on suit Elsie qui est une chercheuse en physique théorique, d'où le titre Theoretically. Elle a eu une vie pas hyper facile, pas non plus la pire, mais pas hyper facile, qui l'a amenée à vouloir à tout prix plaire aux gens et un peu à se transformer pour s'adapter à chaque personne et à ce que chaque personne veut plutôt que d'être elle-même, ce qui brise un petit peu le cœur. Mais ça l'a amenée à devenir escorte en quelque sorte, donc elle prétend être la petite amie d'un gars pour une soirée. Ça lui fait de l'argent parce que en tant que professeure adjointe ou suppléante, elle en a pas beaucoup d'argent. Et puis ça reste juste de les accompagner, il n'y a aucune chose physique ou quoi que ce soit qui se passe. C'est juste prétendre devant des gens en public qu'elle est la copine d'un gars. Elle cherche désespérément à avoir un meilleur job parce qu'elle le dit beaucoup depuis le début, elle n'a pas d'argent. Et là elle a une opportunité qui s'ouvre à elle au MIT qui serait vraiment géniale. Sauf que ça voudrait dire qu'elle doit travailler avec Jack, qui est le frère d'un de ses faux petits amis, qui du coup la connaît déjà et comprend pas comment elle peut appliquer à ce poste alors qu'elle lui avait dit qu'elle était bibliothécaire. Et depuis le début, elle trouve qu'il l'aime pas, qu'il la soupçonne d'être après l'argent de la famille et tout ça. Donc disons, ils ont pas la meilleure des relations. Et en plus, le gars, Jack, est un physicien expérimental. C'est comme la guerre absolue entre les physiciens théoriques et ceux qui font les expérimentations. Et il a écrit un article qui a ruiné la physique théorique, qui a fait baisser les fonds et qui a surtout mis un gros coup à la carrière du mentor d'Elsie. Donc elle a vraiment plein de raisons de pas l'aimer. Quand elle découvre qu'elle va potentiellement devoir travailler avec lui et qu'il fait partie des gens qui vont choisir si elle a le poste ou pas, elle n'est pas super enchantée et ravie. C'est à peu près là que j'en suis au début. Donc on a l'installation, tout ce qui se passe, on voit que c'est comme des enemies. Les exagérations sur les tailles des mains du gars qui sont énormes et lui il est très grand et tout. Eliza Wood ne sait pas écrire autre chose je crois parce que franchement c'est la même chose tous les personnages masculins. Son personnage féminin, elle dit qu'elle est moyenne pour une fois donc elle n'est pas toute petite, c'est un progrès. J'aime bien apprendre un petit peu à les découvrir comme ça. Elsie me frustre un petit peu par moments parce que ça me fait de la peine en fait pour elle qu'elle puisse pas s'autoriser à être elle-même et qu'elle est sûre que personne ne va l'aimer pour elle-même et qu'elle a renoncé aux relations et tout ça et tout ça. Mais en même temps, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on voit déjà que son professeur à elle, enfin pour moi c'est clair qu'il la manipule et que c'est lui qui la maintient dans sa position précaire financièrement. Parce qu'elle avait une carrière hyper prometteuse, puis elle était censée chercher un emploi quand elle a fini son doctorat, et soi-disant qu'il a envoyé son CV à tout le monde et que personne n'a répondu. Moi je sens très bien l'affaire qu'il a envoyé son CV à personne pour la garder comme professeure suppléante, parce que ça l'arrangeait bien. Et il ne veut pas nécessairement qu'elle réussisse dans sa carrière. D'ailleurs au début il ne voulait pas qu'elle fasse le job au MIT, puis à la fin il lui dit « Ah oui, ça va être l'occasion de se venger du gars-là. » Donc en plus il l'entraîne dans ses trucs louches. Je l'aime vraiment pas le gars. On a aussi la vibe femme dans le milieu de la science dont Ali Hazelwood parle beaucoup et ça j'aime parce que c'est un sujet un peu plus sérieux on va dire. Et le personnage d'Elsie aussi a du diabète et elle a une poche à insuline peut-être. Je suis pas sûre. Donc je trouve ça toujours bien qu'il y ait un peu de représentation dans la diversité des personnages qu'on a. Et juste physiquement, c'est toujours la même chose. Le gars, super fort, super musclé, et la fille qui peut soulever comme si de rien n'était et tout et tout. Genre, elle dit qu'elle le déteste, mais depuis le début, elle fait des fixations physiques sur lui. Si on regarde ce que j'ai fait niveau annotation, j'ai choisi des couleurs qui allaient bien avec la couverture. Et pour le moment, je note les moments Jack et Elsie.
les moments sur Elsie, les scènes spicy, je suis sûre qu'il y en aura, les trucs de Jack, plus ce qui est drôle et ce qui m'énerve. Notamment le dernier truc qui m'a énervé, m'a beaucoup énervé par rapport au professeur, comme je vous en parlais. I had feelings, I had thoughts. Ça m'a vraiment trop saoulée. Pour l'instant, j'annote plus que j'ai trouvé deux passages à surligner, je dirais. Mais on va voir comment ça continue. Ah, et l'autre truc qui m'a énervée, maintenant ça me revient en voyant les post-it, c'est que son professeur, son mentor, l'appelle Elise. J'aime bien avoir mon nom dans les romans. Mais pas quand la personne se trompe du prénom de la fille. Et d'un côté, ça m'énerve qu'elle n'ait pas été capable de lui dire qu'est-ce que c'était son vrai nom. Surtout qu'il a sûrement dû lire ses papiers et tout ça. Et d'un autre, je me dis comment elle peut pas voir quelqu'un qui est même pas capable de faire attention à ton nom, c'est pas quelqu'un qui te respecte vraiment. Je suis sûre qu'à un moment tout va être révélé, mais j'ai déjà hâte qu'on en arrive là. Donc pour le moment, je vais essayer de me concentrer sur leur relation à tous les deux et ne pas trop me frustrer sur certaines choses. Et on verra comment ça se passe. Je suis en train de faire des reading sprints, mais je fais une petite pause pour vous faire une update. J'en suis à la page 170. Donc à peu près à la moitié du livre. Et là, il vient de se passer quelque chose et je vis trop d'émotions. Je vis beaucoup trop d'émotions. Donc il fallait que je fasse une petite pause pour vous en parler. Je peux pas vous dire pourquoi, parce que je veux pas comme spoiler l'histoire, même si c'est pas un gros spoil, là c'est une romance. Mais... Oh là là, bien sûr, la situation s'est développée avec Jack, qui croyait qu'elle mentait à son frère, alors qu'elle, elle sortait pour de faux avec lui, mais que tout était arrangé. Donc... ça amène plein de choses. Le fait qu'elle postule pour le MIT et que Jack en fasse partie, ça vient aussi compliquer l'affaire. Il se passe plusieurs trucs par rapport à son processus de sélection. Il y a des moments qui vraiment me brisent le cœur parce que Jack, il lui dit qu'il voit clair en elle et que elle fait exprès de se transformer selon les personnes. Et il dit comme, mais qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu oses pas montrer le vrai toi ? Et on voit que répétitivement, elle continue à ne pas dire ce qu'elle veut ni ce qu'elle pense, mais à dire ce qui va faire plaisir aux gens. Et à chaque fois, ça me fait de la peine et en même temps, ça me frustre parce que j'ai envie qu'elle change. Mais elle aurait probablement besoin d'une psychothérapie peut-être pour l'aider avec ça parce que ça vient de trauma et de choses de son enfance. Ça ne se règle pas comme ça. Donc, à la fois, elle me fait de la peine, à la fois, elle me frustre. Mais là, il vient de se passer un truc. J'étais comme... Ça va pas du tout. Mais si on va au-delà de ça et du fait que je suis sous tension, que je sais pas comment ça va se régler pour Elsie, oh my god. Jack est un très chouette personnage masculin. J'aime toujours les personnages masculins de Hayley Azerwood because je parle en moitié en anglais, parce qu'ils sont toujours hyper respectueux, hyper dans le consentement, hyper dans la valorisation des femmes dans les STEM. Contrairement aux autres hommes sous-entendus dans les STEM, donc ils sont un peu genre le snowflake. Mais j'aime quand même comment ils sont, comment ils traitent les femmes. Et ouais, j'aime beaucoup comment elle fait ses personnages masculins. Alors c'est sûr que ces histoires se ressemblent un peu dans tous ces livres. Faut pas chercher la méga originalité. Par peut-être son prochain qui va être une romance surnaturelle avec des vampires, des loups-garous et tout ça. We'll see. Elle suit quand même beaucoup, beaucoup le même pattern. Mais si on ne s'attend pas à autre chose, c'est pas tant décevant. Oui, j'aurais aimé que ça soit un peu plus différent, mais c'est pas grave, on va apprécier ce qui se passe, on va suivre la petite romance, vivre toutes les émotions. Bien entendu, j'ai quand même hâte qu'on en arrive aux scènes spicy et que ça se finisse bien. Je pense que c'est ça mon problème avec les romances, c'est qu'il y a toujours un moment où je suis comme, ok, je veux juste que ça finisse et qu'ils soient bien ensemble parce que là, c'est trop. Et malheureusement, il faut que je passe à travers encore la moitié du livre avant d'en arriver là, mais we're gonna get there. Donc voilà, une petite update émotionnelle, et je m'y remets. Devinez qui c'est qui a fini Love Theoretically, même pas 24 heures après ma dernière update. J'ai lu jusqu'à minuit passé hier soir et il me restait genre 80 pages que j'ai fini ce matin. C'était chouette comme petite lecture. Si je le note... dans le cadre d'une romance de ce type-là, genre vraiment en comparant au sein du même genre, je pense que je mettrais un 4 sur 5, parce que j'ai vraiment aimé la relation entre les personnages eux-mêmes,
Et tous les enjeux autour du milieu de la science sont toujours un des points forts de ses romances, même si elle beurre épais, comme on dit ici. J'aime ça quand même, qu'elle parle de comment ça se passe dans le milieu de la science. Bien sûr, si on parle de l'anatomie du personnage masculin, it's huge, comme ces deux autres, et j'imagine qu'elle va continuer à écrire ça. Elle n'est pas la seule après, hein, on s'entend, mais elle, c'est quand même bien insisté à chaque fois. Mais ils font quand même rêver ces personnages parce que la manière dont Jack est avec Elsie, j'adhère à 200%. Il y avait pas mal de trucs que j'avais deviné, mais je pense pas que c'est fait pour être particulièrement caché parce que c'est une romance qu'on lit quand même. Le personnage d'Elsie continue de me frustrer des fois, mais il faut que je sois honnête et que je reconnaisse que c'est parce que je lui ressemble beaucoup et qu'il y a des choses qu'elle fait qui sont aussi un problème pour moi. Il y a une phrase qu'elle a dit pour certains trucs et j'étais comme, je sais que j'ai déjà dit cette phrase-là exactement. Donc oui, je me reconnaissais beaucoup quand même dans son personnage au niveau du comportement. Ce qui est probablement pourquoi est-ce qu'elle m'a énervée. Voilà. Donc vous comprendrez, je m'énerve aussi. Mais par contre, bon point, elle va voir une psychologue ou thérapeute à la fin du livre. Donc ça, j'étais très contente parce que c'est fatigant les romances où l'amour règle tous les problèmes. Oui, Jack a pu l'aider un petit peu, mais c'est pas lui qui va venir changer ses habitudes. Il faut aller travailler ça en profondeur. Donc je suis contente qu'il y ait ça maintenant que elle pouvait se le permettre. Et l'autre chose dont je voulais vous parler, c'est toutes les références à Twilight et à quel point Elsie adore Twilight. Ça me renforce dans mon point que dans Love on the Brain, j'ai pas rêvé et qu'il y avait plein de trucs qui étaient inspirés de scènes de Twilight, parce que je pense que l'autrice, Ali Hazelwood, est fan aussi. Donc ça, c'était comme Vindication! Vindication! J'avais raison! Mais c'est pas dit comme ça. C'est drôle aussi parce qu'on recroise les personnages de ces autres livres brièvement, comme il y a des espèces de réunions de scientifiques et on les croise, donc c'était chouette. Je pense que le dernier truc que je voulais vous dire, c'est qu'encore une fois, on a un personnage de meilleur ami qui est super intéressant, comme dans Love on the Brain. J'adorais son assistante amie. Et là aussi, il y a Cici qui est sa colocataire, qui est vraiment chouette. Ça, c'est toujours agréable aussi dans les livres. Niveau annotation, j'ai mis pas mal de post-it à la fin. C'est surtout pour les scènes steamy parce qu'il y en avait quand même pas mal. On passe de 0 à non-stop. Voilà. Ça n'arrête pas. Mais niveau vraiment surlignage ou déco ou quoi, je pense qu'il y a que deux ou trois passages que j'ai envie de surligner. J'ai mis mes annotations au stylo au fur et à mesure et puis au final j'ai eu besoin que de 8 post-it, ce qui est déjà beaucoup, on s'entend. Mais tout ça pour dire que je me suis rendu compte que ça faisait peut-être pas assez de matériel pour un vlog qui est censé être vlog lecture et annotation d'un seul livre. Donc, j'ai décidé de, tant que j'y suis avec Ali Hazelwood, continuer avec. Elle est là, elle est là. Love to love you. Tant qu'à y être, autant y aller à plein pied. Et donc, je vais pas relire Below Zero que j'ai déjà lu et que j'ai vraiment, vraiment adoré. Mais je vais lire les deux autres, donc Under One Roof et Stuck With You. Et je pourrais vous en faire des petites updates. Si j'y pense, je vous mettrai là la vidéo où je parle de Below Zero. Grande chance que je n'y pense pas, mais au cas où, je la mettrai là. Donc je vais attaquer, toujours en combinant audio et papier. Je vais me faire ma petite sélection de post-it, on ne sait jamais aussi. Et puis je vous ferai une petite update, probablement quand j'aurai lu la première nouvelle, Under One Roof. Thank you.
ajouté en plus. C'est un que j'ai vu. Moi, c'est que ce que j'aime, on est dans le challenge, j'ai pas commencé une nouvelle série, je te donne un tombeur. Merci. L'avantage de vivre sur le plateau à Montréal, c'est que le coin où il y a tous les Français. On l'a pas fait exprès, c'est là qu'il y avait un appartement à acheter qui était dans nos prix, on a eu de la chance, bref. On n'a pas volontairement allé dans le quartier avec tous les Français. Mais l'avantage, c'est qu'on trouve des magasins qui vendent des produits français. Et je m'en suis trouvé du Lipton pêche. Vous ne comprenez pas à quel point c'est une denrée rare, parce que ici, le thé glacé, ça se fait avec du citron et pas de la pêche. J'ai oublié à quel point c'était sucré aussi. Trop contente. Ma petite Madeleine de Proust. Ils avaient des Madeleines aussi d'ailleurs. Et j'ai fini Under One Roof. Et même si ça m'a fait rouler des yeux à certains moments, parce qu'il y a des trucs vraiment trop clichés qu'elle fait, j'ai quand même bien aimé. On a, comment elle s'appelle, Mara, qui est une ingénieure dans l'environnement, qui hérite de la moitié d'une super belle maison apparemment, de sa mentor qui était comme plus que ça, qui faisait partie de sa famille pour elle. Et la maison où elle va, donc la moitié, l'autre moitié appartient à Liam, qui est un neveu de la madame qui est morte et qui travaille comme avocat pour une firme qui, disons, qui est vraiment pas bonne pour l'environnement. Donc au début ils s'entendent pas du tout. La présence de l'un énerve l'autre, il n'y en a aucun des deux qui fait un effort. Et disons que ça fait des étincelles, mais pas dans le sens passion, plutôt dans le sens haine. Nous, bien sûr, on sait ce qui va se passer là. Je trouvais quand même que au début, Mara ne faisait aucun effort. Heureusement, elle a une prise de conscience parce que elle est comme, c'est lui qui fait tout mal, mais elle, elle fait pas la vaisselle, elle laisse les ordures s'entasser, elle se pose pas de questions aussi que ses comportements peuvent être gênants. Heureusement, au moment, ils arrivent à passer au-delà de ce premier a priori, à commencer à parler, là tu vois qu'ils se rapprochent, tu sens qu'il y a de l'attirance des deux côtés et tout. Puis le livre se finit clairement, le dernier chapitre, c'est là où il y a toutes les scènes spicy, comme vous pouvez le voir. Ce qui est intéressant, c'est que là, le personnage de Liam, a priori, n'aurait jamais été avec personne d'autre intimement, ou alors peut-être une fois pour se rendre compte qu'il aimait pas, parce qu'il dit qu'il n'aime pas le sexe. Et j'ai l'impression que la manière dont c'est dit, c'est qu'il est sur le spectre Arrow Ace, ce qui me fait réfléchir que l'autrice, j'ai l'impression que dans tous ses livres, il y a un personnage presque sur le spectre Arrow Ace. Des fois, c'est dit clairement, il me semble que dans Love Hypothesis, elle est demisexual. Dans Love on the Brain, c'est pas dit, mais de la manière dont elle en parle, on a l'impression qu'il y a cet aspect-là aussi. Et alors d'un côté, je trouve hyper chouette qu'elle mette ce genre de représentation. De l'autre côté, je lui reproche qu'elle a toujours ce... Bah, des fois, c'est le personnage masculin qui n'a pas d'expérience pour une raison en grec. Mais plus particulièrement, ces personnages féminins qui sont en mode... Soit le sexe m'a jamais intéressé, soit j'ai testé, je pense que c'est pas pour moi parce que j'ai pas aimé et tout.
soit on sent qu'elles sont sur le spectre, comme je vous disais, Arrow 8, on peut tout ça mélanger. Et puis, elles ont des expériences incroyables avec les gars de la romance, et ça change tout pour elles, et donc là, elles n'arrêtent pas d'avoir des relations, et je suis comme... Je sais pas à quel point c'est réaliste d'une personne Arrow 8, j'aimerais que ce soit un peu plus parlé sur le... Après, puis bien sûr, il y a tout ce qu'il y a entre, il y a Demi et tout ça, où on a une attirance physique une fois qu'on a une attirance, un attachement émotionnel avec quelqu'un. Mais je trouve ça bizarre que dès qu'elle soit avec cette personne, c'est comme cette partie-là de disparaît totalement et d'un coup, tout est génial et elle peut avoir du sexe tout le temps et tout ça. Donc je me dis, c'est un peu... Je sais pas, je me pose des questions sur cet aspect-là, ou dans ce cas, pourquoi est-ce qu'elle insiste autant sur le côté « le sexe est trop nul, c'est pas pour moi », jusqu'à ce que pouf, elle tombe sur le gars qui va complètement leur faire changer d'avis là-dessus. J'ai l'impression que c'est... sinon, si c'est pas une représentation qui manque de quelque chose, on est vraiment dans du cliché du coup. Ce qui m'a amené à une autre réflexion, que en fait, ces romances-là sont quasi... aussi irréaliste que mes monster romance, parce que franchement, à chaque fois, ils ont les mains, genre, dans celui-là, il a les mains tellement grandes qu'il peut la tenir par la taille et que ses mains se touchent en face, enfin genre derrière et devant, sur son ventre et dans son dos. Notamment, il a des mains grandes et que, bah, imagine, elle est petite et fluette, comme tous les personnages d'Ali Hazelwood. Et je suis comme, ok. Bien sûr, donc à chaque fois, ils ont des très grandes mains, ils ont des très grands... You know what? Ils sont tellement hyper attentionnés, ils sont les seuls comme eux dans le royaume de, des sciences. Le royaume. Dans lui. Le milieu des sciences. Voilà, le royaume. Bah oui. Puis comme je vous disais, il y a tout ce côté d'un coup, le sexe est extraordinairement extraordinaire. Incroyable. Et je suis comme, c'est quasiment aussi réaliste que mes monster romance au final. Même si ça se passe dans notre monde avec des gens normaux, c'est totalement irréaliste. J'ai toujours un peu de mal avec ça. J'aime bien quand les romans sont un peu plus réalistes. Je sais bien que ça l'est jamais totalement, mais là, c'est vraiment quand même over the top. Je pense qu'après ma petite dose d'Ali Hazelwood, ça va me faire du bien de lire autre chose, parce que à force, je pense que ça me frustrerait trop. Il y avait aussi le petit aspect toujours milieu de la STEM qui était présent avec le boss de Mara qui la diminue vraiment, qui lui laisse pas prendre sa place, qui vraiment la traite mal, mais c'est pas hyper présent, c'est quand même abordé, c'est toujours là, mais c'est moins présent que dans ses livres, genre pas nouvelles, genre les livres entiers. Et un autre truc qui m'a fait rire dans ce livre, c'est que je sais pas comment ils communiquent, mais j'ai jamais vu autant de demi-phrases entre eux, genre... Ça, ils commencent la phrase et ils la finissent pas. L'autre commence une phrase, ils la finissent pas. C'était un peu frustrant, genre. Parce que nous, on sait très bien ce qu'ils veulent dire à la fin de leur phrase, mais comme ils le disent pas, l'autre l'interprète toujours d'une autre façon. Comme ça suffit, faites des phrases complètes, terminez vos phrases. Ce serait bien, s'il vous plaît. Donc, des petites... je sais pas si j'appellerais ça frustration, mais disons que... Voilà, je note l'aspect irréaliste de la chose et je pense que je vais les regarder avec mon regard monster romance où je ne cherche pas à ce que ce soit réaliste parce que je sais que ça peut pas l'être. Et je pense que je vais regarder les Ali Hazelwood avec le même regard pour pas m'énerver trop sur certaines choses. Mais si on fait ça, c'était bien sympa comme petite romance. Les scènes spicy étaient très spicy à la fin. Genre, ça arrive d'un coup, ok, et puis c'est la fin du livre. Donc là, je vais pouvoir attaquer maintenant la deuxième nouvelle, Stuck With You. Et niveau des post-its, je vous ai pas dit, mais j'ai fait mon système habituel, un petit peu pas forcément assorti aux couleurs du livre, parce que je me suis dit, il n'y en a pas beaucoup. Donc j'ai les scènes spicy, le rose foncé, c'est le côté relation, le rose vif, c'est pour le personnage de Mara. Le rose très pâle, c'est ce qui est représentation, comme je vous disais, avec Liam qui avait l'air d'être sur le spectre de la sexualité. Le orange, ce que j'ai pas aimé, son boss. Et le jaune pour ce que j'ai trouvé drôle. J'ai pas écrit d'autres annotations, même si des fois je me suis dit « Ah, peut-être que là je devrais ».
c'est pas très grave, je verrai si jamais je veux repasser par-dessus plus tard. Donc je vous referai une petite update après avoir lu Stuck With You. Ça y est, j'ai fini Stuck With You, la deuxième petite nouvelle dans ce livre. Et quand même, j'ai vraiment bien aimé, j'ai passé un bon moment avec les personnages. On a Sadie, qui est encore une ingénieure dans le domaine de l'environnement. C'est un peu le thème dans ce livre-là, je pense, les trois le sont. Oui, elles ont fait leur doctorat ensemble et tout. C'est comme ça qu'elles sont connues. Makes sense. Donc on a Sadie qui travaille pour une toute petite firme qui essaye d'aider les entreprises à aller plus vers, disons, un développement qui soit écologique et durable. Et d'un autre côté, on a Eric Loviking qui vient du Danemark et qui travaille pour une plus grosse firme qui est pas une des pires mais qui est pas une des meilleures non plus. Ils vont se rencontrer un peu par hasard, il va y avoir un Insta Lust, Insta Love entre eux et ils vont comme beaucoup se parler pendant toute la journée, ils vont aller au restaurant ensemble, puis elle va rentrer chez lui, il va se passer des choses. Et ça c'est ce qu'on apprend qui s'est passé il y a 3 semaines parce que dans le monde présent, Sadie est coincée dans l'ascenseur avec Eric et elle le déteste. Donc au fur et à mesure de la nouvelle, on va comprendre vraiment en détail qu'est-ce qui s'est passé entre eux et qu'est-ce qui a fait que ça a capoté et qu'elle le déteste maintenant. Donc c'était quand même sympa, c'était rapide comme lecture, c'était plus restreint dans le temps que la première nouvelle. Mais j'ai vraiment aimé la dynamique d'aller dans le passé pour reconstituer qu'est-ce qui s'est passé, jusqu'à être dans le présent. On avait du spicy spicy à la fin, j'ai pas encore mis les post-it parce que j'ai lu dehors, j'ai pris les post-it, j'ai plié les pages. Il faut que je remplace ça par des post-it et que je sais pas mes pages cornées. Encore une fois, on est dans le stéréotype spécial Hayley Atwood avec la femme qui est super fluette, super petite, pas très épaisse et qui se fait soulever comme si de rien n'était par le gars qui est énorme, super baraqué et avec un très gros... You know what I mean. Ça ne change pas. Je suis comme pitié. Faites que son prochain livre sorte un peu de ça. Mais c'est peut-être son kink et elle le fait à chacun de ses livres et c'est plus à moi d'accepter que si j'en lis un d'elle, c'est ça qui va se passer. Mais quand même. Le prochain va être surnaturel, je sais pas si vous avez vu la sortie, je crois que ça s'appelle Bride. Je vous mettrai la couverture là. Dès que ça va être possible, je vais le précommander, oui, parce que je veux continuer à lire cette autrice malgré les petites frustrations. Parce que je finis toujours par passer un bon moment avec elle, genre la fin rattrape ce qui me frustre au début, probablement à cause des scènes spicy, j'aime vraiment comment elle les écrit, même si c'est totalement irréaliste. It's okay, c'est juste une petite romance comme ça. Donc quand même une bonne expérience avec ce petit recueil de nouvelles. Je vais pas relire la dernière, comme je vous l'ai dit, je l'avais lue l'an dernier, mais je vais peut-être la relire cet hiver pour rajouter les annotations. Et maintenant, je peux dire que j'ai lu tous les Hayley Hazelwood, en tout cas, je pense. Ça me rappelle aussi dans les remerciements à la fin, elle dit un truc genre chacune de ses nouvelles a commencé comme une fanfiction. Et donc je vais aller voir qu'est-ce que c'est les fanfictions, ou genre qu'est-ce que c'était le couple dans sa fanfiction qu'elle avait vu. Est-ce que tout c'est Kylo Ren, c'est ça le nom du ship, le truc de Star Wars. Je veux savoir si c'est tout ça ou s'il y en avait d'autres inspirations. Je suis assez curieuse. Et ça va conclure mon vlog spécial Hayley Hazelwood, totalement imprévu que je lis celui-là dedans, mais je suis contente de l'avoir fait. J'espère que le vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous pensez de cette autrice, quel livre vous avez lu d'elle. J'aimerais avoir votre avis sur lequel est votre préféré aussi. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo.